Willoubiz est toujours à Marseille pour le Salon des Entrepreneurs et avec nous, évidemment, un entrepreneur, un start-upper. Maxime Marmoz, vous êtes CEO de Soundburst et vous venez de remporter le prix du public du concours de pitch du Salon des Entrepreneurs de Marseille. Votre trophée est voilà jusqu'ici. Le trophée, ouais. Alors, refaites-nous le pitch, mais alors très très court. C'est quoi ? Soundburst, c'est un service de création d'applications smartphone pour des artistes, des musiciens. Notre constat, c'était, on était musiciens au départ, une partie de l'équipe, c'était de dire aujourd'hui les réseaux sociaux sont saturés, le web est devenu une vaste jungle aujourd'hui pour communiquer et vraiment toucher ses fans, c'est devenu très compliqué. Et on a juste appliqué le fait qu'aujourd'hui avoir un business, une très bonne solution, c'est d'avoir une application mobile pour tout ce que nous permettent de faire les smartphones, pouvoir faire des notifications push, savoir où sont nos fans ou nos clients. Et on a juste appliqué ce modèle-là, donc voilà, on a quand même travaillé 2 ans pour faire un moteur d'application. Parce que c'était ma question, c'est comment est-ce qu'on passe de musicien à entrepreneur, technicien Alors, sur ces sujets-là ? Alors, on a un parcours peut-être particulier, c'est que contrairement à beaucoup de gens que je côtoie désormais avec d'aussi très bonnes idées, nous on est vraiment issus de... L'idée est venue de 2 musiciens professionnels. Ouais, hein, c'est vraiment ça, 2 usagers. Ouais, 2 usagers. Voilà, on est parti de qu'est-ce qu'on aurait aimé faire pour nous, voilà. Mm. On a répondu à un problème personnel, qui est souvent des idées de start-up. Oui. Et on avait de la chance, c'est que dans notre entourage, on avait un informaticien et un pote super geek qui était très doué, qui s'est mis à coder et à être graphiste. Enfin, il s'est mis à savoir tout faire pour nous. Donc voilà, notre chance, c'était ça aussi, c'était l'équipe. C'était d'avoir 2 musiciens qui connaissaient bien le monde de la musique et les besoins des musiciens et les services utilisés par les musiciens et des informaticiens de qualité. Bon, vous venez de recevoir ce premier prix du public pour le Salon des Entrepreneurs à Marseille. Tout à fait. Ça vous apporte quoi ? Vous allez faire quoi maintenant ? Alors déjà, beaucoup de fierté, parce que même si du coup, je suis régulièrement monté sur scène depuis toutes ces années, je suis batteur au départ, hein, donc c'est pas vraiment musicien non plus. Souvent, on est le vilain canard dans les groupes de musique, le batteur. Ouais, attendez, vous êtes en support, hein, sans un batteur, il n'y a rien. Bien sûr, c'est les fondations, donc je suis plutôt les fondations, mais tout ça pour dire que c'est beaucoup de fierté. Ça représente aussi tout le travail qu'on a fait avec P-Factory pendant 2 ans pour en arriver aujourd'hui à notre première levée de fonds, et on travaille vraiment aujourd'hui avec des très gros groupes comme des tout petits, et c'est ça notre fierté, c'est d'avoir répondu aux besoins d'un tout petit artiste qui a 150 fans sur Facebook, à un artiste universel qui en a 450 000. Bon, et la prochaine étape, au-delà de la levée de fonds ? Alors, continuer à propager la bonne parole et faire de la croissance. Aujourd'hui, on en a vraiment là, notre produit il est mature. Aujourd'hui, on arrive à fournir une application à un artiste et il s'en empare, il peut tout faire lui-même. Changer ses options, les choisir, monétiser s'il veut ou pas son application, changer sa couleur, son fond d'écran, bref, il peut tout faire et regrouper vraiment tout ce qu'il fait, donc c'est notre grande fierté. Donc aujourd'hui, voilà, on est en pleine croissance, c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds pour accompagner cette accélération. Voilà, après, on a quelques beaux objectifs en 2017, notamment, voilà, il y a un gros concours de pitch à Austin sur un grand festival qui s'appelle South by Southwest, qui est la plus grosse référence. Voilà, il y a aussi de la tech et du film. Donc voilà, on est en projet d'aller y faire un tour. D'accord. On verra ça. Eh bien écoutez, on espère bien vous retrouver sur Willoubiz pour nous raconter comment ça s'est passé à Austin. Merci à vous Maxime Marmoz. Je le rappelle, vous êtes CEO de Soundburst et vous venez de remporter le premier prix du public au Salon des Entrepreneurs de Marseille. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup Nora.